Myers dedans, en relais. Et bien bloqué par Richard Sabol. Organiser le jeu dans le camp rouennais. Delca, Vincent Carra, Yann Coulo, Bechumo. On va lancer en bas, tranquille pour Kuita. Ouais, bien bloqué. Samuel Lefebvre, l'entraîneur des pionniers. Merci à toi Yannick. Je savais qu'il allait nous trouver ça. Ouais, voilà, absolument. Et Marinaccio. De Dorion, attention, heureusement à côté. De la cage de Pinta. On remet la cage, mais par contre, on va chercher une déviation. Johan au deuxième poteau qui a coupé Vincent. 1, 2, le retrait. Allez Vincent, sauvetage de Sabol, absolument, oui. Ah non, je pense pas. Ah, je sais pas, parce que il y a un joueur là qui vient le rechercher derrière. Temps d'Orion. Johnston derrière la cage pour les perdus. Vigners, la lutte là-bas, il y a un def à gauche, j'ai pas vu. Je pense que c'est Guimond, ouais. Lancé de Vigners, c'est la déviation. Ah, Johnston, il est allé déjà s'excuser, ça sert à rien. Sabol était aussi sorti de sa cage, donc. Oui. Alors, verdict. Score. Alors, ça, c'est vraiment une sacrée aventure. Parce que ils ont des informations vraiment plus rapides que l'éclair. Ah, parce que là, regarde, ils ont même l'info d'Amiens. En fait, Amiens a marqué à 2-23. Et c'est le but pour l'équipe de Rouen. Ah, on ouvre le compteur. Joël Caron. C'est Joël Caron, Kesley Tessier. On est en train. Je crois que c'est le numéro 96. Ah. Ah, tu vois, je me demande si c'est pas un truc de prédiction pour, pour la voyance. Ah, ça fait du bien. Bedin qui a porté les couleurs de Cham pendant un petit moment. Oui. Allez, Dilanéo. Pour Johnston, la passe est compliquée. Le but, oui. Oh, j'allais dire la passe de Yellow et en rattrapage. Johnston, il a chopé ça en gros volé. Et il est arrivé de Johnston, ouais. Et Roy qui double la mise, qui mène maintenant deux. Ah ouais, j'allais justement dire que le palais était difficilement rattrapable de Dilanéo. Déviation hein, d'un Rouennais qui a failli tromper Pintaric. Dilanéo descendu, ça bleu. Pour aider les attaquants. Andrew Johnston, une pénalité, et le but, le but pour l'équipe de Rouen. Le doublé d'Andrew Johnston. Alors que la pénalité était sifflée contre lui. Et en retombant, il a réussi à shooter sous la barre transversale. Et Rouen fait le break. Et doublé de Andrew Johnston. Et Rouen qui avance 3 buts à 0 face aux pionniers. A priori, on estime que le lancer de Caron aurait été de Johnston aurait été dévié. À la bleue. Lancé d'Enzo, du revers en dos à la cage, Gilbert Guttig. Oh la mitaine. Oh la mitaine. Oh la mitaine, oh, la mitaine de Sabol. Des pionniers de Chamonix. Et c'est Joël Caron hein, qui s'était retourné là pour mettre son revers de dos à la cage. Allez, il faut fermer la bleue, là ça va être compliqué. Petit problème. Anthony Guttig pour relancer. Avec Joe Caron. Ah, Tessier qui a fait l'effort. Attention, Caron. Gilbert. Vigners. Guttig.
Oh, et le but, quatrième but. Oh, le missile de la Sur la le tourne sur le grand écran, Fred. Oh là là, à nous les sous, à nous les sous. Le quatrième but de Dragon. J'ai pas entendu ce que t'as dit. C'est la pub pour un grand casino. Ah, c'est ça. Eh ouais. Et ouais, on voit le